Yo, salut les turfeux! Salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Tout d'abord, je tenais à vous remercier. On a dépassé la barre des 18 600 abonnés. Comment ça fait super plaisir! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du quintet du jeudi 25 juillet. Direction Deauville pour le prix des grands boulevards. Plat, 1600 mètres, 16 partants. Réunion 1, course 5. Le proverbe du jour est un proverbe persan. Ne pas se repentir d'une faute en est une autre. On commence avec le numéro 1, Ahid. Il vient d'être pénalisé de 5 kilos suite à sa récente victoire, mais sur sa forme, il peut réaliser un exploit. Le numéro 2, Il Pittore. En ce moment, il prend des quatrièmes places, mais à un niveau inférieur. Cette fois-ci, au niveau handicap quintet, la tâche se complique, mais Maxime Guyon va tenter sa chance. Le numéro 3, Jasmin. Il a une préférence pour les pistes lourdes et il monte de catégorie. Il y a d'autres chevaux qui passeront en priorité. Le numéro 4, Out Bay. Il a lui aussi une préférence pour les terrains profonds. Mais à ce niveau, il a largement les moyens de jouer un bon rôle. Mieux vaut ne pas le sous-estimer. Le numéro 5, Carlton Choice. Sa marge de manœuvre se réduit dans cette épreuve et il reste sur un échec. On a besoin qu'il nous rassure, mais attention, c'est une belle cote possible à l'arrivée. Le numéro 6, Dégrisement. Lui aussi reste sur un échec, mais il est en plein dans sa catégorie. Il sera piloté par Pierre-Charles Boudot. Attention à lui. Le numéro 7, Larnaud. La régularité ne fait pas partie de ses qualités. On ne sait jamais sur quel pied danser avec lui. Ce sera tout ou rien. Le numéro 8, Pastichop, lui aussi est très aléatoire. Il a déjà fait ses preuves à ce niveau et pourrait prendre une place à l'issue d'un parcours favorable. Le numéro 9, Land of Mind. Il reste sur 3 échecs consécutifs. Difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions, mais c'est du plat. Et dans cette discipline, tout est possible. Le numéro 10, Wetrov. C'est pas super ce qu'il nous montre ces derniers temps. Il reste sur 4 échecs de suite. Mais c'est du plat. Et bien souvent dans cette discipline, les outsiders sont rois. Le numéro 11, Espelitum. Pardon les amis. Pardon. Il fait chaud là. Hein. Ah ouais. Super chaud. Ok, le numéro 11, Esperitum. Il ne répète pas toujours ses bonnes sorties. Comme d'habitude, avec lui, ce sera quitte ou double. Le numéro 12, Beyond My Dreams. Il est dans une forme olympique. Il vient de remporter sa dernière course et sera piloté par le terrible Christophe Soumillon. On le garde. Le numéro 13, Hurricane Light, cinquième pour sa rentrée, il a sûrement progressé sur cette sortie et il peut tout à fait améliorer son classement ce jeudi, c'est oui! Le numéro 14, Wow! Il a largement les qualités nécessaires pour faire afficher son numéro dans la bonne combinaison. Il va défendre chèrement ses chances. Le numéro 15, Bay of Biscayne. Il monte de catégorie, mais il va essayer, grâce à son petit poids, d'accrocher une place outsider valable. Le numéro 16, Géompi, il a la pêche! Ses 5 dernières sorties, il n'a pas fini plus loin que deuxième. Énorme oui! Le pronostic, ça donne 6, 12, 16, 14, 13, As, 4. 5, cheval de complément le 7, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 8. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le-moi! Ciao!